Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter un tuto peinture acrylique sur le thème de la plage en relief et au couteau. Voilà, donc c'est une réalisation qui va être un peu longue, donc je vais le faire des coupures étape par étape. En plusieurs fois, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes lives. Voilà, donc je vais vous montrer déjà la préparation du matériel que j'ai pu préparer à l'avance, et au fur et à mesure je vais réaliser les couleurs pour les dégradés des bleus turquoise, bleu océan, bleu ciel et bleu outre-mer. Et donc du coup il y aura un dégradé tout le bleu du côté de la mer. Et puis plus bas je vais réaliser la plage. Alors la plage je vais le réaliser avec du sable. Que vous pouvez l'utiliser en mélangeant. Donc du coup je l'ai récupéré sur la plage. Donc je le mélange avec du gesso, que je vais mélanger avec du gesso. Voilà, donc le gesso que j'explique aussi dans mes tutos, surtout sur le site de mes cours de peinture. C'est une matière blanche qu'on mélange avec, le sable pour faire le relief du sable. Et je rajouterai aussi la couleur sable, couleur beige avec des tons de jaune ocre, avec un mélange de blanc et du magenta. Et pour faire plus les ombres, je rajouterai du violet. Voilà, voilà. Également, c'est une grande toile. Voilà, de forme, une toile en coton. Qui est de format 25F. Voilà, c'est de longueur 81 cm et de hauteur 65 cm. Voilà, donc j'ai utilisé un grand tableau pour que vous puissiez bien voir la réalisation. Donc je vais vous montrer un peu mes supports. Donc là, je suis obligée de déplacer le portable, mais bon, parce que je filme avec mon portable, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé sur la table. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, donc je vais utiliser des couteaux. C'est de 1 à 5. Voilà, donc là ça sera pour utiliser le sable avec le gesso pour pouvoir l'étaler sur le tableau. J'utiliserai aussi le couteau numéro 1, le 2, le 3, le 4 et le plus petit, le 5, pour la finition pour les vagues. Donc du coup en peinture acrylique j'utilise la peinture Prismo ou alors les basiques, les peintures acryliques. Donc je vais utiliser du blanc, du jaune, en fait c'est toutes les couleurs primaires, hein, du vert, du magenta, du bleu ciel, du bleu outre-mer, du bleu turquoise. Donc j'utilise notamment en tube ou en bouteille. Vous pouvez faire
Bon, en bouteille, au moins, je les conserve un peu plus. Le gesso, dont je vous ai expliqué, et le modeling paste. Donc, le modeling paste aussi, je vais l'utiliser pour mélanger avec les peintures. Voilà, donc pour les mélanger avec, pour avoir une matière un peu plus épaisse. Voilà, il y a aussi le semi-léger et le plus épais du modeling paste. Voilà, donc un pinceau plat. Bon, là, je l'ai déjà utilisé parce que j'ai préparé ma toile à l'avance au gesso. Pour protéger le tableau. Voilà, donc je l'ai préparé à l'avance. Donc c'est des pinceaux qu'on peut trouver sur les magasins bricolage, tout simplement, où j'étale bien le tableau au gesso pour pouvoir protéger le tableau et pour mieux glisser. L'étoile. Bon, c'est vrai que je le tiens à la main, c'est pas évident. Également, je vais utiliser aussi des. J'espère que vous voyez bien. Je vais utiliser aussi des graines que j'ai récupérées. Voilà. Vous pouvez, c'est pour faire un peu les pierres en relief que j'ai utilisé, que j'utilise de temps en temps pour faire d'autres reliefs pour mes peintures. Que je réfléchis, c'était quoi? Comme graines de pistache, pardon. Voilà. Donc à chaque fois que je mangeais de la pistache, je récupère parce que je suis madame, récupère tout. Également, j'en utilise une paire de gants, de l'eau, des chiffons. Voilà, donc je vous montre un peu. Et également une palette aussi pour les mélanges. Une palette pour les mélanges des couleurs. C'est des palettes plastifiées qu'on prend et qu'on jette. Pratique.